vue plongeante. Bon, ben voilà, hein, on s'en éloigne du cirque là, des cols d'Araillé, et on se rapproche plus du lac et du refuge d'Estom. C'est là, il y a la coulée du Grand Bronze en face, impressionnante. Wow. Allez, go! Bon, là, il y aura de moins en moins de langues neigeuses, mais ça allait mieux là, les dernières. Là. Et là, la neige elle s'est transformée, c'est vraiment splotch, splotch, splotch quand il, par rapport à l'allée où ça, c'était encore stable, je veux dire, c'était encore un petit peu dur. Là, c'est tout mou. Bon, ça fait un petit peu amortisseur, mais il faut faire gaffe parce que dessous il n'y a pas de sous-couche, c'est de l'herbe hein, et des cailloux, des trous. Faire gaffe. Hop. Ah, vu sur le lac là. Ouais, par rapport à l'allée, je m'enfonce encore deux fois plus dans les traces. Ah oui, là il y a un virage. Il y a le virage. Alors là, c'est le talon qu'il faut planter en premier. Oh, oh. Wow. Oh, je suis approché jusqu'au genou, pratiquement. Et là. Ouais, si tu descends en lacet, quoi. Tu descends en lacet le chemin. Il monte en lacet aussi, par la même occasion. Quand j'ai pas envie de prendre de raccourci. Hein. Je pense que je suis passé à l'allée. Chenevrier. Rhododendron. Super raccroché. Le lac. Il n'y a personne qui vient par là. Rencontrer personne. Ouais, petit vent, il est pas chaud le vent. Oh, mais il y a des nuages là-haut. Qui passe au-dessus des crêtes. Bon, là j'ai encore un virage. Alors, faire gaffe parce que là il y a de l'herbe dessous. Et bien enfoncer le talon. Là c'est bon. Il y a suffisamment de neige pour rester ancré. Pas partir à la glissade. Moi ouais, je suis content qu'il ait neigé là, cette nuit un peu là, que ça, ce matin c'était bien blanc, c'était sympa, joli. Bon là je vais pas tarder à couper. Hein. Arrêtez de filmer. Hein. Encore une langue. Bon voilà, là je vais m'arrêter là. Couper. Voilà, juste sur le lac.
le refuge de Stom. Ce qu'il y a au-dessus. Et ce qu'il y a derrière vous. Ouais. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Allez, à plus.